J'ai palpitation de cœur. Je me demande comment Aya Robert a réussi à amener mon doigt, à aller sur mon téléphone, à composer le 144 dièse. J'ai mis le numéro et puis j'ai pu envoyer 500 000 francs. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. J'ai mal au cœur, j'ai palpitation. Mettez le cœur partagé de live. Aujourd'hui, on devait libérer Mario. Les amis, aujourd'hui, on devait libérer Mario. On s'est arrangé. On s'est battu pour qu'aujourd'hui, Mabio soit jugé. Vous savez qu'en matière de justice, pour ceux qui connaissent bien la MACA, et c'est moi qui suis mieux habilité pour parler de la MACA, parce que je suis allé deux fois en prison. La première fois, j'ai fait 15 mois. Donc, au cas où quelqu'un vient te dire, Marco, il a fait la prison, il faut lui dire, moi-même, il m'a dit ça. Oui, j'ai fait 15 mois en prison. J'avais 187 plaignants. Donc, Mabio, là, c'est une pépérette. C'est une pépéro. C'est une enfant. Elle a combien de plaignants? Moi, j'avais 187 plaignants. Mon affaire, faut multiplier 187 plaignants multiplié par 1 500 000 francs CFA. Voici ce qui, moi, m'a amené en prison. Donc, vous, les petits marmailleurs, vous, les petits têteurs, vous êtes des enfants face au bichi. Quand le général parle, vous taisez. Oui, vous devez vous taire. J'ai fait exactement 15 mois en prison. Quand je suis arrivé en prison, ma femme juge qui avait mon dossier parce que moi, on ne m'a pas jugé. Donc, il fallait mener les enquêtes parce que mon affaire est compliquée. Tu as 185 plaignants. Il y a 1 500 000. Donc, Makoso, s'il te plaît, pour toi, là, on va voir s'il n'y a pas d'autres plaignants. Donc, on m'a détenu en prison pendant 15 mois. La femme qui avait mon dossier m'a dit, c'est quand mon enfant va naître et va grandir que toi, là, on va te juger. Je n'avais pas d'espoir jusqu'à ce que tout à coup, soudain, brusquement, les élections présidentielles ont lieu en Côte d'Ivoire en 2010. Babo dit j'ai gagné, Ado dit j'ai gagné. Mako est en prison, il est en train de prier. Oh Seigneur, envoie la guerre dans ce pays. Oh Seigneur, fais que ce pays se mélange. Oh Seigneur, que Babo accepte toujours qu'il a gagné. Oh Seigneur, qu'Alassane Ouattara n'accepte pas. Oh Jésus, que tous les rebelles qui sont en Boaké descendent sur Abidjan. Je t'en supplie. Mais quand ils vont arriver à Abidjan, Seigneur, que la première des choses qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à casser la prison pour que ton serviteur puisse sortir. Oh Jésus, ils font dissoudre les cœurs de l'ONU. Oh Seigneur, que la CEDEAO ne cède pas. Oh Jésus, que l'Union africaine ne parte même pas dans une réconciliation. Qu'on n'ait qu'à casser la prison. Je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie. Un coup, j'attends, clac, 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 bia, Maca est cassé. Voilà, tout le monde est dehors. 7000 prisonniers sortent. 3000 s'enrôlent en même temps pour aller enlever Babo au pouvoir. Marcos Ocamier est libre. Le Seigneur est vivant. Le gars qui devait être condamné à 25 ans d'emprisonnement ferme, Marcos est libéré. Tranquillement, tranquille. Est-ce que la vie n'est pas belle? C'est là-bas, Mabio est allé prendre ma place. Toi-même, faut voir. Donc, je connais la prison. Prison, là, c'est chez moi. J'étais au bâtiment B. Bâtiment B, c'est resserre des, comme on appelle ça, du CB. C'est-à-dire, le commandant du bâtiment, il s'appelait, comme il s'appelle, Steve. Non, il s'appelait, attends, il s'appelait, oh, attends, attends. Oh, son nom. Il est mort maintenant, mais il est mort d'ici là. Speed. Il s'appelait Speed, attends. Speed, il s'appelait Speed. Donc c'est Spi, non? C'est Spi, ça s'appelait Spi. Spi est mort maintenant de sida. Parce qu'en prison, il y a beaucoup de gars qui sont des mougousseurs de cuir. Ceux qui mougou le cuir des enfants, là, beaucoup sortent là-bas avec des maladies qu'on appelle le sida. Donc quand tu es en prison, fais attention à ton anus. Quand ton savon tombe, avant de t'abaisser pour soulever, il faut regarder à gauche et à droite. C'est comme ça qu'on nous appelle à l'école. Avant de traverser la route, tu dois regarder à gauche et tu dois regarder à droite. Donc, en prison, quand tu dois t'abaisser pour prendre le savon, regarde à gauche et regarde à droite. Sinon, tu peux entendre bim, bim, bim. Et toi seul, tu es en train de pleurer. Donc calmez-vous, je vais vous expliquer. Ma bio a pris l'argent de trois grands esprits. Leur nom ressemble à Fétich Baouli. Zaba le requin. C'est pas le nom de Fétich qui est là. Estrator. C'est pas le nom de Fétich qui est là. Apoutou National. C'est pas le nom de... Quelqu'un qui a chanté Zamou, Zamou. Elle s'est mise en place. Elle a mis en place une marmaille. Elle appelle Estrator. Allô, on appelle ça le système Madoff. Le système Madoff. Non, Mabio, on doit la décorer. Prends l'argent d'Apoutou, d'Estrator et des Zaba le requin. Il faut être Mabio. Désormais, en Côte d'Ivoire, quand tu as pris l'argent de quelqu'un, on ne dit plus j'ai maillé ton nom. On dit j'ai Mabio ton nom. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, il ne faut plus dire j'ai maillé ton nom. Il faut dire j'ai Mabio ton argent. Ça, c'est le nouveau mot désormais. Makoso certifie ça.
Aujourd'hui, là, on ne dit plus à quelqu'un, j'ai maillé ton argent. On dit, j'ai ma bio, ton argent. Donc, ma bio, maman n'a d'okoumou, femme qui est vendeuse de thé, on appelle les thés bio, comment on appelle les thés là, les bio, biotox, je ne sais pas quoi, les thés bio détox. Ma bio a laissé les thés pour aller couper vente. Tous les acheteurs de thé disent, bon, comme tu nous as monté la route, on va suivre maintenant cette route-là. Grand manger de Tokounou, elle a lapé l'argent des Zagba, des Strator et d'Apuchou. Un matin de bonheur, on est assis sur la toile en train de réfléchir comment attraper Altamira Cecilia. Vive Aya Robert. On est en train de réfléchir comment on va attraper la voleuse qu'on appelle Mada. On réfléchit, on ne trouve pas de solution. On a peur que ma bio est dans les cellules de la police économique. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Ma bio a fait quoi? On dit, elle a pris l'argent de tontine. C'est pas une tontine, c'est pas deux tontines, c'est pas trois tontines. On ne sait même plus comment. On nous parlait d'abord de 14 millions. De 14 millions, c'est passé à 50 millions. De 50 millions, Apuchou nous annonce que c'est une affaire de 60 millions. Dans ça, une femme appelée Maman Jésus. On l'avait baptisée la dernière de la classe. Aya Robert, qui est aujourd'hui devenue la première de la classe. C'est lève un matin, on n'est qu'à faire cotisation pour quelqu'un qui vient de prendre plus de 60 millions. Aya Robert nous demande, on n'est qu'à cotiser pour millionnaire. Nous les pauvres, nous les enfants de poignons, nous les enfants d'abobo, on se pose la question de savoir comment nos enfants vont mettre demain. Maman Jésus, Aya Robert nous dit, on doit cotiser pour ma bio. Ma bio dit, je ne prends pas votre argent, vous, on va en chier dans votre tête. Aya Robert dit, non, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. On nous amène à cotiser. Malgré la cotisation, on l'a déféré, on dit, ma bio, ça va à la maca. On est assis maintenant par terre, on dit, non, on va la juger mardi. De mardi, ça vient maintenant mercredi. Donc aujourd'hui, mercredi, on attend le jugement de ma bio, on a cotisé 2 millions, on va prendre les gens de donner à Zaba le requin, on va donner à Estrator et on va donner à Puchou. Pendant que nous sommes assis, on est en train de réfléchir comment on va faire sortir ma bio parce que tout simplement elle a des enfants. Ma bio en étant à la maca fait note vocale. Hey non, mais il y a des gens qui sont sauvés dans le pays là. Ma bio il y a dit il n'y a pas quelqu'un qui a giflé la fille, il n'y a pas quelqu'un qui va la frapper, il n'y a pas quelqu'un qui va me barbe, écouter, réécouter, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Ma bio, d'abord, elle est au palais de justice. Pendant qu'on est en train de négocier, comment faire sortir ma bio? Ma bio fait annonce sur sa page Facebook à 20h, je vais faire direct. Ça a énervé le procureur. Affaire de direct là. Non, les gars, mettez les cœurs. J'ai dit, mon cœur est chaud. On dirait que j'ai envie de manger quelqu'un. J'ai dit, ma bio n'est pas sortie. Ma bio est retournée à la maca. Ma bio devait sortir aujourd'hui. Ils ont ramené ma bio à la maca. On dit, ma bio, je viens. Vous êtes pressé pourquoi? Ne soyez pas pressé. Je vous donne une minute pour tapoter. Pause tapotage. Pour sécuriser le direct du général Camille Makosso, vous devez prendre votre petit doigt possédé avec lequel vous vous doigtez, vous vous masturbez pour tapoter le live afin que ce doigt soit délivré de la malédiction qui est engendrée dans vos vies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant une minute, vous mettez les cœurs. Plus vous tapotez, plus la malédiction disparaît, la pauvreté disparaît. Et tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, je prophétise sur vos vies que l'Éternel vous accorde la faveur, l'élévation, la grâce et la bénédiction. Pendant que vous tapotez pendant une minute, je déclare que l'Éternel ouvre les portes de la gloire, les portes de la faveur. Tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, nous devons atteindre maintenant les 1 500 000 cas. Tapotez s'il vous plaît. Il nous reste exactement 5 secondes. Pause. Partage et pose en bénédiction. J'aimerais bénir la vie de tous ceux qui me suivent. J'aimerais prophétiser.